pour cette nouvelle édition du Festival culturel européen de belles apparitions sur la scène artistique d'Alger avec ses jeunes talents berlinois représentant l'Allemagne avec l'ensemble Lydia Daer, une musicienne poète de 33 ans qui s'est lancée en 2007 dans la chanson. J'étais poète et après je me suis dit que j'ai besoin d'une autre plateforme pour ce que j'avais à dire. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans la musique. Mais je ne peux pas dire que j'ai un vrai genre de musique parce que ça dépend avec les paroles que j'ai envie de transmettre au public. Donc je ne peux pas dire que je suis pas limitée à un genre spécifique. Lydia, accompagnée de Marc et Florian, forme un trio très séduisant qui aura sur lui braqué tous les yeux de l'assistance. Avec moi, c'est Lydia et aussi Florian Mea qui joue de la basse et de la guitare. Mon nom est Florian Mea. Et je suis guitariste et bassiste de la groupe Lydia du groupe Lydia Daer. Et ça me plaît ici. Habituée des scènes artistiques internationales, la bande Lydia Daer affiche son goût de l'échange et du partage. On va juste faire un passage avec eux pour donner une touche, notre touche algérienne et africaine et tout ça. Et eux, ils vont jouer leur style musical. Et on va faire une collaboration sympa. En effet, Tata Fool opte avec l'ensemble Daer pour une fusion rythmée de pop et de gnawi qui fera effet avec ses sons. Des sons qui enchantent les invités de l'auditorium de la radio algérienne.